Marc avait 23 ans, il étudiait la sculpture et vivait la vie à 200 à l'heure, jusqu'au jour où il est tombé dans un coma irréversible. J'ai dit à l'hôpital, sachant que Marc ne reviendrait plus à la vie, qu'il était maintenu en vie artificielle, qu'il avait fait don de ses organes et qu'il fallait absolument qu'on le respecte. Parce que en fait, grâce à Marc, il y a combien de personnes qui vivent aujourd'hui? Minimum 3 personnes. 2 greffés du rein et 1 greffé du foie qui sont en excellente santé. À 18 ans, le jeune homme était allé à la commune s'inscrire comme donneur d'organes. C'est donc sans se poser de questions que la famille a confié son corps au centre de transplantation. Il a été anesthésié pour être opéré. Il a été recousu comme s'il était vivant. Lorsqu'on lui a pris, on lui a remis une prothèse. On a retrouvé notre enfant comme si on ne l'avait pas touché. Dans le respect de la dignité humaine, non, c'était vraiment très beau. Il faut savoir qu'en Belgique, tout le monde est considéré comme donneur. Mais si on ne s'est pas inscrit officiellement, la famille peut, au moment fatidique, s'opposer au prélèvement des organes. Au chevet de Marc. Trop de personnes considèrent la mort comme tabou et notamment le don d'organes. Or, si on pouvait justement envisager qu'un jour nous mourrons, puisque nous mourrons tous, et en parler calmement, comme d'une chose courante de la vie, à ce moment-là, tout se passe beaucoup plus facilement. Pour Bernadette Otta, c'est clair, la vie de son fils se prolonge aujourd'hui au travers des 3 greffés dont elle ne connaît pas les noms. Elle pense souvent à eux et leur écrit parfois via le centre de dons. J'ai éprouvé une grande joie de pouvoir dire au receveur que Marc était une personne qui aimait la vie et je leur souhaitais que grâce à ce qu'ils avaient reçu, ils réapprennent à aimer la vie et la vivre par les deux bouts comme Marc la vivait. Le don d'organes, un geste de générosité qui prend tout son sens quand on sait que chez nous, 1300 personnes sont encore en attente d'un cœur, d'un rein ou d'un foie.